La rencontre opposant Brive à Pau était décisive dans la course au maintien. Des Corréziens qui désiraient renouer avec le succès en top 14 face à des Palois venus avec une certaine ambition. Les troupes de Saïd Hirèche, le capitaine corrézien, qui vont entamer ces débats de la meilleure des façons. Plusieurs temps de jeu tout près de la terre promise, la section paloise qui défend bec et ongle sa ligne d'essai. Peine perdue puisque le troisième ligne centre phare Assoho ira derrière la ligne à pâtir ce premier essai de la rencontre accordé par Monsieur Gauzer. 7-0 pour le CAB. Et après un échange d'amabilité entre Thomas Larangira et Antoine Astoy au pied, la section paloise qui va investir à plusieurs reprises le Cambriviste, le jeu de passe est pertinent, la ligne d'avantage est attaquée, la splendide passe sautée de Julien Fuma qui sert son partenaire Jalé Vatubua qui va aplatir en bout de ligne le premier essai en faveur des Béarnais. La transformation est assurée par Antoine Astoy, 16-10 pour la section paloise qui refroidit Amédée Domenech après cette action d'éclat. Les visiteurs vont poursuivre leur domination dans ce premier acte. Antoine Astoy franchit à nouveau la ligne défensive briviste. Il parvient à rester debout et transmet à ses coéquipiers, notamment Ben Smith qui, bien placé, parvient à transmettre en bout de ligne à son ailier Attila Septar. Pour le deuxième essai en faveur de la section paloise qui prend des distances par rapport à son adversaire. Admirons la jolie course de l'ouvreur palois qui vient semer le désordre d'un défense briviste. La transformation du jeu est idéale et en bout de ligne la concrétisation pour cette section paloise qui mène à la pause 23-13 face aux Corréziens. Bousculés après un premier acte sans rythme, les brévistes s'en remettront à la conquête directe, notamment mêlée fermée. Pénalisés à plusieurs reprises, la section paloise voit revenir les brévistes par l'intermédiaire de Thomas Larangira qui va convertir deux pénalités consécutives. Nous arrivons sur les dernières minutes de ce duel. Le ballon est cafouillé par la ligne offensive paloise. Opportuniste Thomas Larangira grille la politesse à toute la défense paloise pour l'inscrire, l'essai de l'égalisation. Il reste quelques minutes à disputer. Tout le stadium d'Amédée Domenech poussera derrière les siens. La section paloise qui va craquer dans les derniers instants sur les coups de butoir du CAB. Malgré un ballon arraché, les transmissions ne sont pas bonnes. Et Thomas Larangira, lors d'un dribbling, en profite pour à nouveau inscrire un essai similaire à celui inscrit quelques minutes auparavant. Amédée Domenech explose de joie, victoire briviste 33-26, score final. Brive renverse une situation bien compromise et s'offre un répit dans la course au maintien, tandis que les Palois pourront nourrir d'immenses regrets et repartiront avides de ce déplacement.